Bonjour à tout le monde. Bonjour Pascal. Bonjour Ania. Witam Państwa bardzo serdecznie na webinarium poświęconym nowościom wydawnictwa Didier. Podczas webinarium zostanie uruchomiony czat, na którym z przyjemnością odpowiem na wszystkie Państwa zapytania. Certyfikaty potwierdzające udział w spotkaniu otrzymają Państwo drogą mailową po webinarium. I teraz już zapraszam na spotkanie. Przekazuję głos Pascal. Dziękuję. Bonjour à tous, chers collègues, et j'espère que cette fois-ci nous n'aurons pas de problèmes techniques comme la dernière fois, enfin, il n'y a aucune raison. Hein. Alors, au programme du jour, donc, nous avons toujours pour les nouveautés Didier, les manuels, des livres d'entraînement et puis un petit coin lecture aussi. Voilà donc notre programme pour cet après-midi. Alors, au niveau des manuels, j'ai quatre manuels à vous présenter, enfin pas quatre manuels, mais plutôt quatre collections. Ludo et ses amis, Décibel, Saison Pas et enfin Édito. Tous ces ouvrages sont pour les enfants, adolescents, grands adolescents ou adultes. Et ils ont tous été élaborés par des auteurs de terrain, renommés pour assurer donc une haute qualité pédagogique et didactique afin de répondre à vos attentes. Et bien sûr, tout ça à la pointe des technologies avec des supports et des espaces numériques comme TBI et le Labo de langue hein, qui concerne toute la collection Décibel, Saison et Édito. Alors, pour les niveaux, on a Ludo et ses amis qui va du A1.1 au A1 et A1+, en fait, donc une collection de niveaux. Ensuite, nous avons Décibel pour les adolescents. Pour le moment, Décibel 1 qui est sorti, certainement vous avez dû aussi déjà le voir, qui concerne le niveau A1. Et viennent de sortir également Décibel 2 et 3, donc qui seront à notre disposition en Pologne très prochainement. Et puis la collection Saison, que j'imagine aussi la plupart d'entre vous connaît, donc Saison 1 qui va jusqu'au A2 hein, pour le dernier module. Ensuite, le saison 2 qui couvre le A2 plus du B1 pour le dernier module et le saison 3 pour le niveau B1 et le saison 4 pour le niveau B2. Alors, le saison 4, il n'est toujours pas à disposition, mais saison 3 l'est largement et donc nous le verrons un petit peu plus en détail. Et puis, le nouvel édito, ou disons l'édito 3e édition pour ce qui concerne le niveau B2. Je ne vous représenterai pas le niveau B1 puisque celui-ci vous le connaissez depuis quelques années déjà. Alors on va passer à Ludo plus en détail. Alors ici c'est une collection qui concerne les enfants à partir de 5 ans mais qui peut être parfaitement utilisée avec des 7-8 ans. Alors, cette collection, elle présente une approche multisensorielle motivante, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de musique, c'est de l'action, on fabrique des objets, il y a des recettes de cuisine. On donne une place privilégiée à l'oral, bien sûr, surtout à cet âge, hein, puisque les enfants n'écrivent pas encore bien. Cela dit, dès le niveau 3, on a une appropriation progressive de l'écrit. Et puis, on va trouver une multiplicité d'activités et de ressources hein, pour des parcours adaptables, valorisants et dynamiques. Des situations de communication qui sont proches du quotidien des enfants. Par exemple, la fête d'anniversaire, Noël, des petites sorties, voilà. Alors, pour ce qui concerne Ludo, on a aussi bien sûr donc, les cahiers d'activité en plus du livre de l'élève. Ce livre de l'élève qui vient avec un CD audio, donc ça c'est nouveau par rapport à la nouvelle édition, dans lequel donc CD on trouve 17 comptines, ainsi que la version instrumentale.
Et puis, il y a aussi accompagné d'un DVD. Alors, les versions instrumentales, ça peut être sympa, par exemple, pour faire des karaokés. Voilà. Le Beat Class, bien sûr, téléchargeable gratuitement sur le site. Vous y trouverez aussi des fiches photocopiables pour la classe et deux CD audio avec les consignes, les comptines et les activités supplémentaires de phonétique. Il existe aussi des cartes images pour accompagner le travail en classe et puis bien sûr un manuel numérique avec les cartes de téléchargement, un code et inclut le livre élève, le cahier, les fichiers audio, le guide classe, les cartes images à projeter et les fiches de graphie. Les fiches de graphie, donc, ce sont l'initiation à l'écriture, donc des petits dessins avec donc l'écriture qui commence. Vous les avez aussi à disposition sur le site Didier, vous pouvez aller jeter un œil, vous verrez, c'est vraiment très très bien. Voilà. Alors, je m'arrête là pour Ludo et ses amis. Je passe rapidement parce que j'imagine que ça ne concerne pas un grand nombre d'entre vous. Mais pour ceux que ça intéresse, je peux revenir en détail à la fin de cette conférence plutôt générale, si vous voulez bien. Ensuite, on va donc passer à Décibel. Alors, encore une fois, j'imagine que certains d'entre vous en ont eu une présentation déjà l'année dernière. Où il y a un an et demi, puisque c'est au moment où il est sorti, donc je ne vais pas non plus m'étaler, mais encore une fois, si vous voulez donc plus d'informations, je peux revenir aussi, j'ai une présentation toute prête pour vous. Alors, Décibel 2 et 3, très très prochainement, on les attend, ils vont arriver, et puis le Décibel 4 qui devrait sortir donc d'ici un an. Voilà, pour couvrir donc des niveaux A1 jusqu'au niveau B1-1. Voilà. Alors, pour ce qui est donc de Décibel, hein, vous avez donc encore une fois, il s'adresse à des adolescents de 11-15 ans. S'ils ont 10 ans, ça va aussi, pour une soixantaine d'heures d'apprentissage. Les points forts, c'est une multitude de situations de communication. Vraiment, multitude n'est pas un petit mot. Des jeux pour s'amuser et réviser. Et quand on dit des jeux, c'est vraiment beaucoup de jeux. C'est vraiment très, très axé sur le ludique. Des micro-tâches. Et puis, à la fin de chaque unité, deux tâches finales. Un entraînement régulier au DELF. Des stratégies pour mieux apprendre. Vous avez le petit personnage qui vous offre comme ça des petits points, des petits conseils stratégiques d'apprentissage. De la phonétique en rythme et en chanson, bien sûr, pour mémoriser mieux les sons, les mots, les phrases quelquefois. Et puis en rime aussi, c'est pas seulement en rythme, donc vraiment tout est fait pour aider les enfants à mémoriser. 154 pistes audio également et un dispositif d'évaluation important et interdisciplinaire. Important ce dispositif d'évaluation parce que vous le retrouvez donc à la fin de chaque unité dans Décibel pour le bilan oral. Vous avez le bilan écrit également dans le cahier d'activité. Et ce que je voulais dire par interdisciplinaire, eh bien, c'est qu'on calcule. On a aussi des petites stratégies écologiques, voilà. Ensuite, donc pour les ressources disponibles, on a un livre de l'élève qui vient avec le CD audio et le DVD. Alors, pour ce qui est de la version ministérielle, bien sûr, puisque c'est pour Didier le manuel qui a été choisi, le DVD n'est pas inclus, tout ce qui est vidéo a été supprimé dans le livre, mais rien n'est perdu hein, puisque les enseignants peuvent retrouver ce matériel à disposition très prochainement sur le site de Novella. Donc si vous avez la version polonaise, vous ne perdez en rien la version internationale. Un cahier d'activité qui vient avec le CD audio, avec des cartes mentales à compléter, donc pour mieux mémoriser le vocabulaire.
et puis les cartes de téléchargement premium qui sont sous version 1 code ou 10 codes et le guide pédagogique détaillé de 150 pages qui est téléchargeable gratuitement et dans lequel vous pouvez trouver aussi des activités supplémentaires et des tests préparés. Je voulais aussi ajouter que pour ceux qui donc à l'école ont choisi Décibel, vous avez l'occasion sur le site de Novella de télécharger les plans détaillés des cours, c'est-à-dire le plan Zion. Hein, voilà. Donc ensuite, eh bien, ce qui nous intéresse davantage peut-être aujourd'hui, c'est de parler de cette collection saison qui arrive au grand complet. Donc je disais en tout début, je ne vais pas parler de saison 1 et 2 puisque ça fait quand même déjà un an qu'on vous les présente. Encore une fois, si vous voulez que je revienne dessus, pas de problème, il suffit de me demander. J'insisterai davantage aujourd'hui sur la saison 3 puisqu'il est à disposition et peut-être passer plus vite sur saison 4 parce que moi-même je n'ai pas pu le toucher, on ne l'a pas encore reçu. Donc celui-ci, voilà, on l'attend très très prochainement. Alors, l'ensemble de saisons, ça vient donc chacun vient avec le livre de l'élève qui comprend le CD et le DVD. Et encore une fois, comme saison et chez Didier, le manuel qui a été choisi pour agréé par le ministère de l'Éducation, tout ce qui est vidéo a été retiré du livre. Donc le DVD n'est pas dans le livre polonais. Mais encore une fois, les enseignants ont le matériel à disposition gratuitement sur le site de Novella. Alors, ce n'est pas encore fait tout à fait parce qu'il y a eu des petits problèmes techniques, mais sous peu, ça devrait être à disposition sans problème. Donc, vous ne perdez rien avec cette version polonaise. Le cahier d'entraînement qui comprend un CD, pardon, le guide pédagogique, avec plans didactiques également qui sont téléchargeables donc sur le site de Novella. Le guide de pédagogique est également téléchargeable sur le site de Didier. Vient aussi un pack numérique, version clé USB ou carte de téléchargement, un code ou 10 codes. D'ailleurs, j'ai entendu dire que pour les professeurs qui ont donc choisi saison 1, Novella vous offre un code numérique, donc profitez-en. Ensuite viennent les applis pour l'apprenant pour saison 1 et 2, donc des applis pour tablette, le cahier d'exercice et puis pour tablette et téléphone mobile, 40 activités d'oral et une appli Dico avec 30 activités de lexique. Et un dico aussi qui peut être complété par l'apprenant s'il veut ajouter à sa liste des mots de vocabulaire. Donc le site didiersaison.com avec une banque de données de 100 exercices par niveau aussi également à votre disposition. Et puis n'hésitez pas donc à consulter la page Facebook dans lequel vous pouvez partager des ressources, donc trouver, mais aussi faire partager ce que vous aurez fait, vous, avec les étudiants, lorsque vous faites des projets classe. Voilà. Donc, merci d'avance pour vos contributions. Alors, cette méthode, c'est une exposition culturelle vraiment très riche, avec des encadrés les plus infos qui viennent donner des éclaircissements sur des aspects culturels de France ou de pays francophones lorsque vous avez des audios ou des textes qui concernent des choses assez culturelles. Une approche communicative actionnelle centrée sur l'oral, puisque cette méthode vraiment met l'accent sur l'oral. Elle est conçue pour grands adolescents, adolescents et adultes, comme on disait, dynamique par sa richesse et sa variété de documents et d'activités. Un apprentissage ludique à travers des jeux, donc beaucoup de jeux. Apprendre en s'amusant, c'est bien. Et donc, quand c'est possible, eh bien, on le fait.
une progression douceur, même rassurante, et qui offre aux enseignants facilité et souplesse. Souplesse parce que, selon les besoins, selon les rythmes, les progressions des élèves, vous pouvez piocher, choisir les documents avec lesquels vous voulez travailler. On n'est pas obligé de suivre la méthode exactement et de tout faire. Donc, vraiment, elle est d'une richesse où on peut vraiment se permettre de piocher ici et là. Et faciliter parce que normalement, c'est une méthode avec laquelle on n'a pas besoin, franchement, de faire des photocopies à côté parce qu'elle est vraiment très complète. Voilà. Un dispositif d'évaluation également très complet avec des bilans, des préparations au DEF, les épreuves blanches et des tests aussi, des tests supplémentaires que vous pouvez photocopier du guide pédagogique. Voilà. Donc encore une fois, peu de choses à faire en dehors de ce qui est déjà préparé dans la méthode. Alors, ensuite, je voulais me pencher davantage sur saison 3. Voilà, donc les points forts. On avance dans le niveau B1, bien sûr, mais on n'oublie pas le plaisir et le ludique quand même. Une approche actionnelle accessible et structurée avec lexique, grammaire et phonétique en contexte. Hein, tout est travaillé en contexte de communication. Une méthodologie implicite à travers des micro-activités, d'où cet aspect progression lente, donc rassurante, et un développement des réflexes d'apprentissage de l'argumentation avec un cerveau français. C'est-à-dire que vous savez que la structure d'un texte, hein, ou d'un exposé en français, ça se fait avec ses règles à la française. Et donc, saison 3 vraiment amène les élèves petit à petit à adopter cette façon de faire. Une grande liberté, donc, comme je le disais au préalable, avec une possibilité de piocher en fonction donc, du temps, des souhaits, de l'énergie. Ensuite, on va voir la structure du manuel. Alors, saison 3 se compose de 3 modules qui comportent 3 unités chacune. Une préparation au DELF par unité, avec une preuve blanche à la fin de l'unité 9. 5 carnets pratiques. Alors, ces carnets pratiques, c'est par exemple argumenter, où vous trouverez les expressions les plus courantes pour composer l'articulation, donc la liste des articulateurs logiques. Vous aurez par exemple pour écrire un mail les formules, pour écrire une lettre de réclamation avec les formules d'appel, etc. Donc tout ça dans ces petits carnets pratiques à la fin, le précis phonétique, un précis de grammaire et bien sûr la transcription de tout ce qui est audio. Alors, donc chaque unité va comporter 2 doubles pages s'informer dans lesquelles je découvre, je repère, j'enrichis mon lexique, j'adopte des stratégies. Et à la fin donc de cette 4e page de s'informer, on va trouver une petite activité étape, hein, c'est une micro-tâche comme ça. Et puis ensuite, on passe au point grammaire, donc où on récapitule la grammaire, donc on observe, on déduit, on systématise pour pouvoir enfin passer à la production. Et puis ensuite, on va trouver donc 2 doubles pages s'exprimer, hein, s'exprimer à l'oral et s'exprimer à l'écrit. Donc ici, on va avoir les activités de production. On va structurer le discours, se perfectionner, perfectionner la perception, mais aussi la mélodie. Donc des ateliers qui proposent de l'expression orale, de l'expression écrite et le créatif qui est en fait une double page culturelle.
plus ou moins axée sur la culture et plus ou moins non. Complètement axé sur la culture et où vous avez en fait des points culturels, mais des petites choses qui sont données comme ça. On ne va pas avoir une page culturelle lourde, mais plutôt des petits points intéressants qui sont là pour éveiller la curiosité. Et puis le point récap qui est en fait le pilier hein, vraiment de l'unité. Dans laquelle donc on va retrouver tout ce qui a été vu lors des points précédents sur le plan lexical avec le fameux schéma sémantique hein, donc qu'on appelle la carte mentale et puis le petit mémo grammatical avec donc je me pose les bonnes questions et une activité bilan. Et donc, comme je disais, ici, on est vraiment dans la récapitulation de ce qui a été fait. Ça, c'est vraiment le pilier qui vous permet, enseignant, mais aussi apprenant, de voir où on en est. Et puis, bien sûr, on va trouver ensuite l'évaluation avec donc des préparations au DELF B1, puisqu'il s'agit ici de saison 3. Alors, pour ceux qui pensent que bien, on accède un petit peu, on accède comme ça, on oriente pardon, beaucoup à la préparation d'AL, il faut savoir qu'aujourd'hui, entre préparer le DELF ou préparer le BAC, ça ne fait pas une très grande différence. Donc, si à la question « est-ce que je prépare mes élèves au BAC avec saison ?», je dirais ben, « oui ». Tout à fait, tout à fait. Voilà. Ensuite, donc voilà comment un petit peu se situe. Alors, pour ceux qui connaissent saison 1 et 2, ben, vous voyez que pour saison 3, on ne change pas beaucoup au niveau de l'optique, hein, c'est-à-dire qu'on va trouver cette double page d'ouverture avec une image qui va être déclencheur de production orale, ce qui permet d'entrer dans l'unité, dans le lexique, petit à petit, en douceur, avec les mots qu'on a déjà. Et puis, à la différence de saison 1 et 2, qui était introduit avec des questions, ici, vous avez un travail aussi qui s'accompagne d'une écoute. Voilà. Et puis, bien sûr, on a donc la présentation des thèmes et des objectifs pour toute l'unité. Ensuite, au niveau des pages s'informer, donc comme je disais, vous allez trouver des petits encadrés ici, comme saison 1 et 2. Le plus info, donc on vous parle ici, ben, l'éco et le libéralisme, et on aura donc des petits points info qui viennent donner des chiffres, expliquer la situation, ou éventuellement, au besoin, éclaircir sur l'identité d'un personnage qu'on mentionne. Donc ici, on a dégagé le sujet identifié avec Ouvrez l'œil, où on va en fait sensibiliser l'apprenant à observer le titre, les sources d'un document, orienter à l'essentiel avec les questions, posez-vous les bonnes questions. On va travailler sur le champ lexical. Donc, voilà, ici, c'est enrichir le lexique, explorer le lexique. Hein. Et puis, vous avez l'approche réflexive avec les hypothèses. Hein. Se donner des hypothèses et commencer à réfléchir. Et de façon à ce que, avant une écoute, eh bien, on puisse déjà avoir peut-être une idée et être préparé en fait consciemment sur ce qui peut apparaître dans un document, ce qui peut beaucoup faciliter bien sûr la compréhension. Donc une initiation en douceur, je dirais, à synthétiser aussi les informations. Puisque ça nous amène hein, petit à petit à travailler un jour ben, le résumé pour arriver au DALF un jour, la synthèse. Quoi. Un travail de phonétique, tendez l'oreille, donc, et puis toujours cette confrontation, hein, phonie-graphie.
et les clés pour bâtir l'argumentation en douceur. Donc en plus de ces petits plus infos, petits plus stratégiques qu'on avait, on va avoir les plus argumentatifs. On va avoir par exemple les expressions pour comparer, les expressions pour donner son avis. Donc les petits plus comme ça, communicatifs également, qu'on va trouver au fil des pages. Toujours donc voilà, sur s'informer, donc vous voyez, c'est les mêmes stratégies hein, avec les petits plus infos, le ouvrez l'œil. Et puis donc ce que je vous disais tout à l'heure, pour valoriser et réaliser les acquis, donc les petites étapes comme d'exercice à faire qui viennent synthétiser donc ces quatre pages. Donc après on a le point grammaire qui va se situer donc en deux étapes, hein, la première étape d'observation et de compréhension pour arriver donc à l'étape d'entraînement, c'est-à-dire systématisation et production. Donc une démarche déductive. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut paraître être, on se dit oui, mais en cours, on n'a pas vraiment le temps de laisser réfléchir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent quand on explique, et si on doit expliquer deux fois, trois fois, quatre fois, vous savez comment c'est, ils n'ont pas attentif ou ils n'ont pas bien compris. Et si on est obligé de répéter, finalement, on ne gagne pas de temps. Alors que là, effectivement, peut-être que sur l'activité, ils passeront un petit peu plus de temps. Mais s'ils ont déduit eux-mêmes de la règle grammaticale, on a quand même plus de chances qu'ils mémorisent. Et finalement, on gagnera du temps au bout du compte parce qu'on aura moins besoin d'expliquer. Moi, je sais que je trouve que ça fonctionne personnellement assez bien. Ensuite, on passe donc aux étapes s'exprimer. Donc, je vous ai donné ici un exemple s'exprimer, l'atelier d'écriture. Donc, vous avez par exemple une lettre. Et puis, éventuellement, eh ben, on va demander à l'apprenant d'écrire lui-même une lettre. Et alors ici, ce qu'on va trouver, c'est ces petites choses qui s'appellent la boîte à outils. Et qui va permettre de développer la technique de structure dans une dimension créative. Et voyez, avec des questions et des étapes qui sont marquées. C'est-à-dire qu'on ne lui donne pas comme ça un sujet, une feuille blanche, puis on lui dit, voilà, vous avez le modèle de la lettre et sur ce modèle, vous écrivez. Mais on va continuer à guider le travail. Voilà, donc saison, c'est vraiment quelque chose qui vient accompagner l'apprenant tout au long de son apprentissage mais de sa production. Avec les petits plus stratégiques, de temps en temps, n'oubliez pas de, par exemple, s'il s'agit de l'oral, de l'écrit, d'écrire des phrases courtes à l'oral, jouer sur l'intonation, des petits trucs comme ça. Ensuite, le fameux pilier hein, du point récap, donc le pilier de l'unité où on retrouve, donc comme dans 16 ans, 1 et 2, cette fameuse carte mentale. Voilà, donc avec du vocabulaire regroupé hein, pour pouvoir mieux mémoriser. Et puis, le petit récapitulatif grammatical. Voilà. Avec, donc, comme étape également, un réemploi des acquis, avec donc ici encore une micro-tâche, hein, des activités donc à réaliser. Voilà. Donc ici, on arrive aux pages s'évaluer. Donc, vous voyez, comme ici, ça se présente hein, une préparation au DELF. Et alors, les audios pour la compréhension orale, vous les trouvez dans le guide pédagogique avec également les corrigés. Donc, tout est dans le guide pédagogique. Voilà. Alors, le contenu du cahier d'activité, tout au long de ces 9 unités, on va avoir également de la compréhension orale. On trouve un renfort pour le lexique et la grammaire, une minute de conjugaison avec une activité ludique, la phonétique, une page entièrement dédiée au repérage, discrimination, systématisation. De la compréhension écrite avec un document authentique, plus de AJC,
des activités. On retrouve le tac au tac également dans le livre hein, pour avoir une activité par pair et donc vous savez qui est pour donner du dynamisme mais aussi qu'ils puissent avoir des réponses comme ça à chaud et pas forcément des réponses préparées. Une production orale et une production écrite avec des clés méthodologiques pour préparer son brouillon avant la production. Un bilan par compétences, les transcriptions et les corrigés des bilans, donc tout ça dans le cahier d'activité également. Alors, saison 4, il va beaucoup ressembler aux saisons 3. On retrouve bien sûr le plaisir et le ludique, l'approche actionnelle, avec donc le lexique, la grammaire et la phonétique en contexte. Méthodologie implicite, hein, toujours avec les micro-activités. Donc, c'est un petit peu apprendre inconsciemment finalement et progresser sans finalement se rendre bien compte de toutes ces difficultés qu'on arrive à surmonter. Développement des réflexes, toujours de l'apprentissage, de l'argumentation avec le cerveau français, hein, au niveau de la structure, et toujours une grande liberté avec une possibilité de piocher. Et encore même une plus grande liberté avec saison 4, parce que saison 4, ce sont 9 unités indépendantes. Donc vous n'êtes pas obligé non plus de suivre la progression. Hein. On pourrait très bien passer de l'unité 1 à l'unité 3, et, voilà, et puis revenir sur l'unité 2. Ça ne dérange absolument pas. Alors, il y a la double page méthodologique hein, avec les bonnes questions, préparation au DELF, toutes les 3 unités, toujours une épreuve blanche à la fin de la 9e. Cette fois-ci, on retrouve toujours les carnets pratiques qui sont au nombre de 8, un précis phonétique, bien sûr, le précis grammaire et les transcriptions toujours. Voilà. Au niveau des sujets qu'on va trouver, bon, c'est les sujets donc, qui tendent d'être quand même proches des grands adolescents. Hein. Donc, rire et le bonheur, provocation, égalité, donc les problèmes de société, d'immigration et de sous-culture, d'autres problèmes de société aussi, mais plutôt au niveau des relations et des exploits. De l'art, les initiatives, donc tout ce qui est technologie, progrès, etc. La perception, les styles de vie, et puis parler de science, d'éthique, de langue. Voilà, tous les sujets qui seront proposés pour ce cadre. Alors, construire l'argumentation, c'est l'objectif final. Hein. Pour pouvoir aborder le B2 dans une double dimension, plaisir, respiration et argumentation, où on va allier stratégie, méthodologie, discours avec les différents registres et les implicites. On commence déjà à travailler donc sur les implicites, donc toutes les questions derrière qui ne sont pas explicitement dites, on va dire, donc lire entre les lignes, entendre entre les mots. Une approche argumentative spiralaire pour fournir des outils méthodologiques afin d'être capable de se préparer à des prises de parole longues, à des écrits développés, argumentés et variés. Si je prends par exemple le problème de l'exposé, eh bien, par spiralaire, on comprend que dans l'unité 1, si je vais travailler l'exposé, je vais pouvoir retrouver l'exposé à l'unité 4, puis à l'unité 7. Ce qui fait que ce n'est pas comme des méthodes précédentes où une fois qu'on a travaillé le résumé, ça y est, et puis le reste de l'année, on n'en entend plus parler. Et puis finalement, à la fin de l'année, il faut un petit peu revoir ces techniques. Ici, donc, spiralaire, ça veut dire que on aborde l'exposé, puis on revient dessus et on progresse au fil des unités. Voilà. De la grammaire textuelle, cette fois-ci, bien sûr, donc pour bien,
apprendre à faire et puis comprendre comment se construit un texte et s'articule un texte, fournir les outils pour accéder à une curiosité intellectuelle et une compréhension des genres de discours francophones, donc beaucoup de variété des discours et puis une liberté de mouvement et de choix au sein du livre. Ça, je crois que je l'ai déjà mentionné. Alors, une double page, toujours d'ouverture avec l'image déclencheur. Et cette fois-ci, une double page qui s'accompagne non plus de simples questions ou d'un document audio, mais cette fois-ci, on a une vidéo pour démarrer. Voilà. Les unités, elles vont être découpées essentiellement en deux parties. Hein. Vous avez donc une partie perception, où on va donc découvrir les choses, les thèmes, les grammaires, mais aussi après une qui est suivie d'une partie exploration, donc pour un travail plus en profondeur. Voilà. Et puis donc on parlait de variété de documents, donc vous voyez ici, hein, on va avoir beaucoup d'illustrations, des affiches, des textes qui viennent d'Internet, des extraits de presse. On aura aussi des extraits de bandes dessinées, hein, des enregistrements, toujours la présence de ces petits plus infos. Et puis, vous voyez donc ici ces fameux encadrés avec des stratégies donc, pour développer les techniques et comprendre comment se montent les textes ou les exposés s'il s'agit de l'oral. Et puis, toujours donc pour les repères linguistiques, hein, les piliers où on va retrouver donc ces fameux schémas sémantiques et puis la récapitulation grammaticale. Donc ici, par exemple, on a exprimé la conséquence. Donc toujours le même système. Et puis les activités donc de récapitulation. Voilà donc le repérage des implicites qu'on va retrouver aussi. Vous voyez le travail d'étape avec les encadrés qui expliquent donc bien comment aller petit à petit vers les productions. Et je vais passer donc maintenant à Edito B2, donc la troisième édition. Édition que je suis ravie de vous faire découvrir parce que si vous êtes comme moi d'anciens amateurs d'Edito première édition, eh bien cette dernière, je pense, va beaucoup vous plaire parce qu'on va retrouver les anciens auteurs de ce premier édito et puis peut-être plus fidèle finalement à cette première, et évidemment rafraîchie. Alors la cible, c'est les grands adolescents et les adultes souhaitant se préparer au DELP 2. Je crois qu'avec Edito, on travaille davantage l'orientation sur le DELP, alors que Saison, même s'il vous prépare sur le DELP, il est accès à un public déjà plus peut-être scolaire ou plus large en fait. Alors les points forts, de nombreux documents authentiques et de sources variées. Hein. Alors les documents authentiques, ben, ça va être des extraits littéraires, de la presse, des textes tirés d'Internet, de la bande dessinée, des infographies, enfin toutes sortes de sources. Un entraînement spécifique à la grammaire du discours et aux champs lexicaux. Une perspective actionnelle, favorisant l'autonomie de la communication authentique. Et puis des pages stratégie également. Une préparation complète au DELP avec une épreuve blanche. Un accent mis sur les aspects culturels mais aussi interculturels. Et toujours liberté et souplesse d'utilisation parce que ça c'est très important à nos yeux. Voilà. Alors les ressources. C'est le livre de l'élève qui s'accompagne du CD et d'un DVD. 12 unités avec mémento grammatical, transcription des audios et vidéos. Un cahier d'entraînement, vous l'avez demandé, eh bien le voici donc pour des activités supplémentaires en grand nombre et qui lui aussi vient avec un CD. Le guide pédagogique,
téléchargeable également gratuitement sur le site de Didier, et le pack numérique avec labo de langue. D'ailleurs, tous les manuels Didier viennent avec le labo de langue, en fait, je veux dire, pour tout ce qui est nouveau, hein, édito, saison et décibels, cela va de soi. Alors, les changements, parce que c'est édito, si vous le connaissez, ben on va parler plutôt de qu'est-ce qui a changé dans cette troisième édition. Il y a beaucoup de choses. D'abord, il faut dire qu'il a été allégé. On a des unités qui sont plus courtes et on en a 12 au lieu de 9. On a ajouté une double page détente, une unité sur deux, c'est-à-dire que vous avez une unité qui va faire une préparation au DELF et puis une unité qui va faire une page détente. Vous aurez une double page de jeu avec essentiellement finalement des aspects culturels. On va jouer avec l'histoire et la culture, voilà, pour fournir du ludique. Et des thèmes qui sont peut-être plus proches des ados que dans les versions précédentes. Une forte orientation vers l'oral, une variété des documents et des activités, mais je pense que ça, c'était déjà très présent. Une palette d'activités grammaticales et lexicales grâce à l'apport du cahier. Voilà, donc ce cahier, il est tout nouveau. Une double page regard croisé pour l'apport culturel et interculturel. Donc, ce qu'on a aussi ajouté, c'est une double page culture. Dans cette troisième édition. Une page d'ouverture, alors cette fois-ci on n'a plus des citations mais des proverbes. Voilà, donc on a toujours la première illustration mais qui s'accompagne de proverbes. Et un travail très appuyé sur la phonétique avec donc encore une fois cette confrontation phonographique puisque c'est une des difficultés de la langue française comme vous le savez. Alors les thèmes, voilà, donc à votre avis, changer son opinion, quelque chose à déclarer, donc au niveau des actes de parole, on parle de la presse, de voyage, parler d'histoire, on parle de la santé, puis du corps, de la nature, de l'art, les sentiments, la vie sociale, l'amour, l'amitié, bien sûr, on parle aussi un peu de travail, et bien sûr, des nouveaux médias et de tout ce qui est science et puis perspective future. Voilà. Alors, les unités, donc, elles comportent une double page d'ouverture, hein, l'illustration avec son proverbe, comme je vous disais, le regard croisé, donc, cette double page interculturelle, des pages vocabulaire et ou grammaire, où vous trouvez donc des exercices qui s'accompagnent, et des exercices variés, c'est-à-dire où on mélange l'écoute avec l'oral et puis l'écrit. Des pages donc de documents, une page civilisation, une page atelier, et la double page, soit détente, soit préparation de deux. Donc voilà un petit peu au niveau de cette grande variété de documents, comme je disais tout à l'heure, presse, BD, extrait littéraire, internet, infographie. Au niveau de l'oral, on va trouver des interviews, des reportages radio ou télé, des dialogues enregistrés aussi, bien sûr, de la vie quotidienne. C'est quand même important pour l'aspect communicatif. Voilà. Alors, pour ce qui est des manuels, j'en ai fini. On va passer donc maintenant aux ouvrages d'entraînement. Et la grande nouveauté pour les éditions Didier cette année, c'est la collection 100% FLE, une nouvelle collection pour progresser en français. Alors, ça vient guide de communication en français, grammaire essentielle du français au niveau 1 à 2 et au niveau B1. Mais je viendrai apprendre aussi, très prochainement, on aura la phonétique et le vocabulaire, donc d'autres choses qui nous attendent. Alors, pour ce qui est de la grammaire essentielle du français, on a donc deux niveaux, A1, A2 et B1, pardon. Et les points forts, c'est une grammaire qui est complète et colorée, c'est-à-dire qu'on va avoir des illustrations, des dialogues, des dessins, quelque chose d'assez vivant, assez agréable à consulter. On a une approche simple et très structurée pour faciliter l'apprentissage. Hein. Donc, toujours la méthode déductive. 1, on observe.
On réfléchit, on tire les déductions et bien sûr on mémorise et on fait. Une dimension communicative dynamique avec des exercices variés pour s'entraîner à l'oral, à l'écrit, des exercices d'écoute et pour utiliser la grammaire en situation et en interaction. Voilà. Alors, le livre, que ce soit pour le A1, A2 ou le B1, il comprend donc 675 exercices progressifs à l'écrit, à l'oral pour le niveau A1 et A2 et 550 exercices progressifs pour le niveau B1. On va trouver des bilans et des tests, bien sûr, les corrigés, le tableau des conjugaisons, une liste des verbes avec les prépositions A et la préposition de, et une grammaire contrastive pour anglophones et hispanophones. Je pense que la plupart de nos étudiants, j'imagine que vous comme moi, hein, vous avez des étudiants qui apprennent l'anglais et souvent ça peut être aussi très pratique de passer justement par comparer la grammaire avec l'anglais pour leur permettre de comprendre. Par exemple, je pensais au problème de l'hypothèse, hein, if en anglais et si en français qui fonctionnent de la même façon. Donc ça peut être très, très utile. Et puis, donc le CD MP3, dans lequel on va trouver 45 dialogues et 80 exercices de repérage, de compréhension et de production orale pour le niveau A1 à A2, 37 dialogues et 80 exercices pour le niveau B2. Voilà. Alors à l'intérieur, voilà comment il se situe. Donc comme on disait, une phase d'observation, ensuite la phase du réfléchissez pour ensuite arriver au tableau fabriqué. On va passer donc aux étapes de systématisation. Des exercices en grande variété, hein, ça peut être des exercices du type comme on voit ici, mots croisés, mais aussi répondre à des questions, compléter des phrases, on peut comment dire, relier des morceaux de phrases à d'autres. On va trouver donc des bilans et tests pour s'évaluer. Et puis, on aura aussi des exercices de prise de parole, donc des exercices qui sont proposés aussi, qui sont en interaction à faire en classe. Voilà. Pour ce qui est donc du guide de communication, il va donc du A1 au B2. C'est l'essentiel pour communiquer en toute situation avec une grande richesse, très actuelle, pragmatique, avec des illustrations, des façons de dire qui sont classées par acte de parole, mais aussi par niveau de langue. Donc on a bien séparé les expressions standards du langage soutenu, du langage familier, pour que les étudiants puissent être un peu confus, et puis des informations donc sur les usages et pratiques linguistiques, parce qu'évidemment une langue c'est aussi une culture. Et le livre donc c'est 12 chapitres, hein, qui vont recenser les situations quotidiennes et professionnelles avec un index en 7 langues à la fin. Et on va retrouver 75 000 dialogues donc à télécharger sur 100% le point fr. Donc à l'intérieur, donc voilà, on va retrouver donc des fameux dialogues, hein, pour illustrer, mémoriser les phrases. On va trouver des encas comme ça culturels, hein. Donc par exemple ici on dit bonjour qu'une fois à la même personne dans une journée, sinon on risque d'entendre un rebonjour qui signifie qu'on s'est déjà vu. Par exemple, les niveaux de langue qui sont donc bien séparés et puis un classement donc par acte de parole. Voilà. Donc c'est tout pour ce qui est des ouvrages d'entraînement. On va donc passer maintenant au petit coin lecture, si vous le voulez. Voilà. Alors, si vous ne connaissez pas cette collection Monde en BL, c'est 16 titres pour le plaisir de découvrir la littérature contemporaine de tous les genres. On va trouver des nouvelles, on va trouver
du polar, on va trouver donc des choses de la vie, des quotidiennes, hein, des expériences de vie, d'auteurs francophones, donc on va être en France, mais aussi en Afrique, aussi au Canada, donc on voyage beaucoup, des auteurs qui sont reconnus, mais surtout ce qui est important, c'est des ouvrages qui ont été écrits spécialement pour le niveau visé. Donc si vous avez par exemple des niveaux A2, on va avoir le plaisir de la lecture facile parce que c'est du A2, mais en même temps, on ne perd rien de la plume de l'auteur, de sa spécificité. C'est vraiment, par exemple, du Ndiaye qu'on lit et pas du français facile. Donc, on sait s'emporter. Et moi, je dois dire que ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, le fait de, par exemple, du A2, ça ne m'a absolument pas gêné. Ça ne m'a pas enlevé du tout du plaisir. Donc, vraiment, je vous les recommande. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que vous allez trouver donc, le site dédié à la littérature. Monde en version française, hein, et avec des documents pour approfondir la lecture et des ateliers d'écriture. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi gratuitement télécharger les versions MP3. Et alors, cette collection de Cécile, voilà, elle est sortie cette année, donc deux nouveaux titres. Un pour le niveau A2 qui s'appelle Nouvelles du Monde, qui rassemble trois lettres de trois auteurs différents. Et puis, L'ancêtre sur son âne de André Chédid, hein, qui sont six nouvelles qui font voyager entre le Liban, l'Égypte et la France. Parce que, peut-être vous le savez, peut-être non, donc André Chédid est une auteure d'origine libano-égypto-française, voilà, et donc il nous fait vivre ses aspects multiculturels d'une façon très poétique, très sensible. Enfin bref, moi j'ai personnellement adoré. Voilà. Et donc je vous souhaite une très bonne lecture. Et puis bien pour ce qui est de cette présentation, mais c'en est fini. Mais par contre, si vous voulez parmi vous il y a des gens qui voudraient que j'explique un petit peu plus Ludo ou Décibel, je vous en prie, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Donc, merci pour votre temps. Et puis, j'espère aussi que je n'ai pas parlé trop vite. Voilà. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous voulez jeter un œil plus approfondi sur Ludo. J'ai tout là à portée de clic ou décibel, pas de problème.